Score, sponsor officiel des Diables Rouges. J'adore beaucoup les mots croisés. Alors, oui, la grande place de Tournai. Tournai, bah c'est... Tournai, c'est ma ville. C'est là où je suis né, là où toute ma famille se trouve, tous mes amis. Et dès que j'ai un jour libre ou j'ai l'occasion de revenir à Tournai, j'y vais, je me ressource là-bas, je me sens bien et j'aime bien retourner là-bas. Ouais, bah, magnifique souvenir, le stade d'Andorre, ma première sélection chez les Diables Rouges. Et ouais, en plus, première titularisation, donc c'est vraiment quelque chose de spécial pour moi. J'avais à cœur de faire un bon match et de marquer. Ouais, c'est vraiment un super souvenir. Une von Azubruck, je pense que je lui dois beaucoup au coach Jeugand parce que c'est lui qui m'a lancé dès la première année et qui m'a fait confiance. Et c'est grâce à lui que j'ai pu vraiment exploser et devenir meilleur. Moi j'ai beaucoup appris avec lui et j'apprends encore tous les jours. Voilà, tactiquement il est très fort et il prône toujours le football offensif donc c'est agréable de travailler avec lui. Ça c'est Bart de Wever avec Michel en premier plan. Bah, pour être honnête, ouais, la politique c'est pas ce qui m'intéresse peut-être le plus. Voilà, au final c'est souvent des promesses qui sont pas forcément tenues, mais bon, ouais, cette image résume peut-être l'image qu'on en a en Wallonie. C'est Charles Michel, Premier ministre, et peut-être Bart de Wever derrière qui tire un peu les ficelles. Donc c'est malin de Wever, c'est pas lui qui s'attire les foudres du peuple. Alors Benteke, Lukaku, Origi. Bah oui, les trois attaquants de l'équipe nationale, trois très bons joueurs. J'ai pas encore vraiment le statut que eux ont. Ils ont plus d'expérience, c'est des joueurs de première ligue, ils ont plus d'expérience en équipe nationale. Moi, j'ai qu'une sélection, un match contre la modeste équipe d'Andorre, donc c'est difficile de se comparer à eux. Je pense qu'on a chacun nos styles, chacun nos qualités. Après, peut-être je peux apporter quelque chose de différent, une option supplémentaire. Mais bon, ouais, c'est des très bons joueurs, c'est sûr. Un panneau de grève, oui, bien sûr. Nous, avec le foot, c'est vrai qu'on est un peu épargné par tout ça. On n'a pas, c'est pas la même chose, mais bon, je comprends avec toutes les mesures que prend le gouvernement, que ce soit les sauts d'index, l'augmentation de la TVA sur l'électricité, toutes des mesures comme ça, je comprends que certaines personnes veulent faire grève. Maintenant, c'est vrai qu'il faut voir un peu la manière. Peut-être pas bloquer les autoroutes, empêcher les gens d'aller travailler, mais bon, je pense que les gens ont le droit de faire grève. Oui, les migrants, c'est un sujet d'actualité, on parle beaucoup de ça en ce moment. Mais je comprends, hein, je pense que si on était à leur place, en pleine guerre, où ils se sentent en danger, il faut éviter les amalgames. Je pense pas qu'ils font ça pour profiter, comme certains peuvent dire. Je pense qu'à leur place, oui, on ferait tous la même chose. S'ils avaient le choix, je pense qu'ils resteraient là-bas, mais ils n'ont pas vraiment le choix.